Bonjour à tous, enchanté de vous retrouver sur la chaîne YouTube de iPhone.fr avec la nouveauté du jour que l'on va déballer ensemble, l'iPhone XR, la nouvelle version de l'iPhone X en écran 6,1 pouces, un peu plus grand que le XS et un peu moins que le XS Max. Donc il sort ce vendredi, on le découvre ensemble dans sa livrée rouge en product red. C'est parti pour une ouverture. Expérience classique chez Apple. Voilà, la couleur est annoncée. On va voir ce que ça donne. La documentation avec une touche de rouge. Voilà, c'est un product red, donc c'est-à-dire que certains bénéfices sont reversés à la lutte contre le sida. Et la couleur est un rouge que l'on connaît chez Apple, que l'on a déjà vu sur les modèles précédents. Le voici. Alors, bien entendu, pour en profiter, l'arrière est en vert. C'est un vert qui a été choisi pour permettre de transférer l'énergie lors de la recharge sans fil. Le côté est en alu. Donc c'est un alu qu'on connaît puisque c'est l'alu qui était utilisé sur les iPhone 6, 7, 8. Donc c'est un descendant des iPhone 8 qui mélange aussi la partie photo de l'iPhone de cette année, 10S, le processeur également, et un écran qui n'est pas OLED à la différence de ce que l'on a pu voir sur les 10 et les 10S. Alors, au niveau des finitions, on a là de l'alu avec l'antenne rouge qui est plutôt bien dissimulée. Le bas qui n'est pas tout à fait le même que sur le 10S, avec une symétrie au niveau des orifices du haut-parleur et micro. Ensuite, de ce côté, on retrouve les boutons. Mode silencieux ici et bonjour iPhone 10R et son écran OLED, pardon, pas OLED bien sûr, vous aurez corrigé, LCD. Donc le même écran, sans doute un petit peu amélioré par rapport à celui qu'on a déjà vu sur les iPhone 8 notamment. Alors un point à noter tout de suite, c'est la taille des bordures qui est supérieure à celle qu'on trouve sur l'iPhone XS et l'iPhone X, puisqu'en fait la technologie LCD permet pas d'obtenir le même résultat que ce qu'on obtient avec l'OLED. Sinon au niveau taille, voilà ce que ça donne. En main, plutôt agréable, une taille qui est intermédiaire et qui pourrait plaire à pas mal d'utilisateurs. La taille découpe, enfin de l'encoche pour la photo qui déborde, comme tous les modèles d'iPhone depuis plusieurs années maintenant. Il faut bien faire tenir les 6 optiques tout en gardant une certaine finesse. Le flash, le micro, la pomme. Alors pour poursuivre la vidéo, on va regarder un peu la différence de taille entre cet iPhone XR et par exemple ici un iPhone 5S. Voilà, donc on voit que ça a quand même pas mal évolué ces dernières années au niveau de l'épaisseur également, et là on est vraiment dans les arrondis, là où auparavant c'était très 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 tranchant au niveau des côtés. Là c'est fini depuis plusieurs années maintenant dans la gamme iPhone. Alors pour poursuivre, on peut regarder ce que ça donne à côté d'un iPhone. Alors là c'est l'équivalent d'un 6, 7 ou à peu près ou 8 en taille. Donc voilà les différences de taille. On aurait presque une taille quasiment idéale entre le 7, le 7 Plus ou le 10, 10S et 10 Max, avec un 10R qui vient vraiment compléter la gamme et s'insérer entre les deux. Donc, pour voir la différence, on peut regarder avec un de taille équivalente à un 10S Max ou à un
8 plus ou 7 plus, 6 plus. Voilà, donc on est juste en dessous en taille. Largeur quasi proche, mais hauteur inférieure. Voilà. Au niveau épaisseur, c'est relativement similaire. On remarque la position du tiroir SIM qui a bougé depuis sur ce modèle uniquement. Voilà. Alors si on les met à côté, pour bien visualiser la différence de taille. Voilà. Et voilà. Donc là on a l'évolution des iPhones ces dernières années, avec une taille croissante et cette taille 10S qui est intermédiaire et qui, ma foi, semble fort intéressante au niveau de la prise en main. Si Apple décidait de ne faire qu'un modèle, c'est peut-être celui qui rencontrerait le plus de succès, mais on a le choix désormais. En termes de coloris, on apprécie le noir qui va très bien avec le rouge. Ça, c'est une constante. Hein. Noir et rouge, ça passe toujours bien. Et sur ce modèle, on n'est pas du tout déçu. Donc voilà, on retrouvera des photos en détail sur le site iPhone.fr. On vous invite à nous suivre encore, toujours sur les réseaux sociaux, sur le site. Et on va voir une dernière chose, ce qui est le contenu de ce qui est livré avec cet iPhone. Donc, on l'a vu. La notice, avec la petite notice Product Red qui explique que les bénéfices ou une partie des bénéfices, il y a un partenariat avec Apple pour les rendre au fond. On retrouve la notice classique dans toutes les langues, les autocollants, voilà. Et dans la boîte, on a encore quelques accessoires, mais on les connaît. Ils sont très classiques, chargeur qui n'a pas changé, chargeur 5 watts, c'est possible, c'est trop peu, mais Apple n'a toujours pas décidé de faire plus. Le casque, qui est bien sûr un casque avec fil et prise Lightning. Plus d'adaptateurs cette année pour les casques mini jack 3,5 mm. Apple a choisi, après 2 ans en fournissant des adaptateurs, d'arrêter. Et le câble de charge et de synchronisation toujours présent. Voilà pour les différents accessoires de cet iPhone 10S en version rouge. À très bientôt, merci de nous avoir suivis sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à nous poser des questions dans les commentaires, on essaiera d'y répondre dans le test complet à venir. Pensez également, si la vidéo vous a plu, à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines et à mettre un petit pouce pour récompenser le travail de tous les gens qui œuvrent sur le site et sur la chaîne. À très bientôt.